Bien-aimés du Seigneur, nous écoutons les intentions de la messe. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, protection divine pour lui, pour sa famille et pour ses projets par l'intercession de la Vierge Marie. Messe demandée par Dick. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, assistons du Saint-Esprit pour le bon déroulement de la situation qui prévaut actuellement au sein de leur entreprise. Messe demandée par le personnel. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur. Protection divine pour tous ses projets, pour un heureux aboutissement. Messe demandée par une chrétienne. Immaculée rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle implore la protection divine pour sa grossesse et pour une bonne délivrance de sa famille. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur. Elle confie au Seigneur ses problèmes de foyer pour un bon dénouement par l'intercession de Notre-Dame de la Sainte Famille. Messe demandée par Edmonda Yvette. Action de grâce au Seigneur. Honneur au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie pour le pardon de leurs péchés. Protection divine pour eux, pour leurs familles au Togo, à l'étranger et autour d'eux. Messe demandée par Philothéa et Roger. Aimée rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle implore la protection divine pour elle-même, pour ses enfants et pour ses marchandises, par l'intercession de la Vierge Marie. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de Clément et Vito, demandée par la paroisse. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans leur vie, délivrance et conversion pour eux. Messe demandée par un couple chrétien. Rosaline rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, surtout pour l'avoir permis de faire la dalle. Elle confie au Seigneur sa descendance et celle de toutes ses amies. Elle implore la protection divine pour ses parents et pour toutes ses connaissances. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, surtout d'avoir sauvé Sylvia d'un accident. Protection divine et assistance du Saint-Esprit pour elle, par l'intercession de la Vierge Marie. Messe demandée par sa maman. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, protection divine pour Épiphane, Pélagie, Ferdinand, Rosaline Victoire, pour leur travail et pour leur projet, par l'intercession de la Vierge Marie. Messe demandée par Jean et Aimé Éclos. Action de grâce au Seigneur, à l'occasion du 10e anniversaire de décès de Noé Norbert Anani Adama et du 6e anniversaire de décès de Awaga Afedi Anastasie. Messe demandée par Philomène Locadi. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Messe demandée par une famille chrétienne. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, protection divine pour sa famille par l'intercession de Notre-Dame de l'Assomption. Messe demandée par Edmonda Yvette. Messe en l'honneur du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie pour tous leurs bienfaits. Protection divine pour les intentions de chaque membre de la famille Nyamecho. Action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, protection divine pour sa famille, pour ses projets, pour ses activités et pour une intention particulière. Messe demandée par un chrétien. Mathilde rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle implore la protection divine et mariale, l'assistance du Saint-Esprit sur Tony, Clémence et Léandre et pour une intention particulière. Messe pour le repos en Dieu des âmes de Ahiantroga, Boutamekpo, Koku Doji, sans oublier les défunts de la famille Ahiantroga. Messe demandée par la famille Gbadwe, Rachel. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et pour une intention particulière. Messe demandée par une chrétienne.
action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, confie à la Vierge Marie, à saint Antoine et à saint Charbel une intention particulière. Messe demandée par Brigitte et Robert. Semedo, Seigneur, rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Il confie au Seigneur son voyage, sa famille et ses projets par l'intercession de la Vierge Marie. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. Protection divine pour elle. Elle confie au Seigneur sa santé. Messe demandée par Henriette à côté. Une famille chrétienne demande cette messe pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, surtout à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Jean-Marie. Messe en l'honneur de l'Esprit-Saint pour tous ses bienfaits, demandée par Eugénie. Messe en l'honneur de la Vierge Marie pour son intercession constante, toujours demandée par Eugénie. Elle demande encore cette messe en l'honneur de Jésus crucifié pour tous ses bienfaits. Messe en l'honneur de saint Benoît à l'occasion de son anniversaire de naissance, demandée par Laurent Amouzou. Enfin, une famille chrétienne demande cette messe pour le repos en Dieu de l'âme de sœur Marie Comforte Comelin à l'occasion de son anniversaire de décès. À ces intentions, nous joignons nos intentions particulières. À toutes et à tous, nous souhaitons une bonne célébration eucharistique. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Venez,
Adorons le Seigneur. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a donné la vie ce matin. De lui, nous tenons l'être, la vie, le mouvement. Il y a de quoi l'adorer, mais avec quel cœur? Pierre, dans l'Évangile, nous donne son exemple. Nous devons avoir la foi. Et dans la première lecture, nous voyons que le prophète a traversé des péripéties. Mon frère, ma sœur, toi qui es en France, toi qui es en Allemagne, toi qui es à Tochi, et que sais-je encore, ne me dis pas que tu traverses ou tu ne peux pas traverser les difficultés. Mais peu importe les difficultés, tu dois pouvoir avancer comme le prophète Élie. Mais avant tout, reconnaissons-nous tout petits devant le Seigneur, reconnaissons nos fragilités et humblement demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, dans son entre Dieu, qui est avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère, aussitôt qu'il attendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur intense. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né et lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation. Alléluia. Alléluia.
J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoyait la foule. Et quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre et elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient: c'est un fantôme. Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla: confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit: viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent: vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers paroissiennes, chers paroissiens, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux par Lumière Divine, vous qui êtes en France en ce moment, toi qui es à Nagasaki, toi qui es à l'autre bout du monde, toi qui es à Gbatopé, l'autre qui est à Kouméa, toi qui es à Zalivé, que sais-je encore, certainement que tu es animé par une soif ce matin.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Voilà. Tu as soif, tu es animé d'une soif effrénée. Tu as besoin d'être entouré, hein, au cœur de ta famille, là où tu travailles, là où tu exerces les activités. Tu as besoin, dans ta vie privée, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, d'être pris en amour, en affection, d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Pierre et le prophète, n'est-ce pas, étaient aussi mordis pour la même cause. Ils cherchaient à rencontrer le transcendant. Ils cherchaient à rencontrer Dieu. Oui, mon frère et ma sœur. Et la Bible déclare: recherche le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Voilà. Et le Père Céleste doit pouvoir le chercher. Toi qui m'écoutes à ce moment, tu dois aussi pouvoir le chercher. Depuis la nuit des temps, les philosophes, les grands penseurs de ce monde, d'une manière ou d'une autre, le cherchent. Oui, tout le monde le cherche à sa manière. Et figure-toi que toi, tu fais partie aujourd'hui des élus. Tu as soif aussi du Fils de Dieu. Tout comme les gens l'ont reconnu dans la barque, que bah, celui-ci est le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir le chercher. Moi, je me mets toujours à son école. Je me dis, tout ce que j'ai eu au grand séminaire n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Je suis toujours en quête du savoir. Je dois pouvoir le chercher à tout prix. À chaque instant, quand l'occasion se présente, je dois le chercher. Oui, mon frère. Mais le chercher et le trouver n'est pas chose facile. Une chose de le chercher, une autre aussi de le trouver. Et ce n'est pas facile, mon frère, ma soeur. C'est justement ce que nous observons, eh bien, dans la première lecture et aussi dans l'évangile. Pierre était confronté à des réalités. Quand il a reconnu que, ben, tiens, c'était le maître, il lui a dit, ben, tiens, si c'était toi vraiment, toi que je connaissais, toi avec qui je bossais, je travaillais, si c'était vraiment toi, eh bien, ordonne à ce que je marche maintenant. Et sur la parole du Seigneur, Pierre a jeté les filets. Tout de suite, il a pris, n'est-ce pas, en lui, la parole éternelle, cette parole agissante, cette parole qui crée, cette parole qui est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et Pierre a commencé, et vous l'avez constaté, tout de suite, lorsque Pierre a commencé à marcher et aller vers le Seigneur, ben tiens, ah, le texte parle de vent qui soufflait et le monsieur a commencé par sombrer. Voilà. Mon frère, ma soeur, dans la quête du savoir, tu seras confronté à des réalités pas possibles. C'est ce que nous voyons également, n'est-ce pas, dans la vie du prophète. Eh bien, lui qui a pris sur lui d'aller vers le Seigneur, il a soif, il veut aller, il veut le raconter, il veut le chercher et le trouver. Et tiens, tout de suite, le prophète ne l'a pas trouvé tout de suite, dans les minutes. Non, il a pris du temps. Premièrement, n'est-ce pas, le texte nous dit, le texte nous parle, n'est-ce pas, de tremblement. Oui, il y avait des tremblements. Et après le tremblement, il pensait que, ben, tiens, bon, il serait dans le tremblement. Non. Après, une tempête. Le Seigneur n'était pas dans la tempête. Et après, il y avait aussi du feu. Loin de là. C'est au cœur d'une brise légère. Mon frère, ma soeur. Alors, donc, nous voyons que ce soit dans la vie de Pierre, que ce soit dans la vie du prophète, n'est-ce pas? Nous voyons que dans leur quête, ils étaient entrechoppés. Ils étaient opposés aux obstacles,
Ils ont connu des difficultés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, mon frère, ma sœur. Mais ce qui m'a plu dans leur vie, eh bien les deux, bien que ces personnes ont connu des difficultés dans leur marche à la suite ou dans leur quête, eh bien, tu l'as constaté aussi bien que moi, eh bien, rien n'a pu arrêter les deux. Voilà l'épine dorsale. Ma sœur, toi qui cherches à te marier, toi qui as des problèmes au cœur même de ton foyer, toi qui traverses des difficultés pas possibles, toi qui as des problèmes dans ta vie relationnelle, dans ta vie professionnelle, ne baisse jamais la garde. Voilà. On peut t'arracher tout. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais l'espérance. Les deux, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les ronchonneries, mon frère, ma soeur, là où tu es, là où tu loges, ne me dis pas qu'il aura toujours des candidats. Des gens de ton quartier vont s'opposer à ton évolution. Ceux qui sont avec toi vont chercher à te mettre des bâtons dans les roues. Mon frère, la réalité ne sera pas facile. Père Célestin, ce n'est pas parce que tu es prête que tu n'auras pas de difficultés. Non, loin de là. Loin de là. Regarde la vie du maître. Quand il a pu celui de nous sauver, eh bien, mais il a traîné dans cette roue un Judas. Mon frère, ma soeur, la vie ne sera jamais facile pour toi. Peu importe. Mais mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir avancer. Tu dois pouvoir décoller. Rien n'a pu arrêter ces deux grandes figures. Ils sont allés. Eh bien, ils sont allés jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, eh bien, tu es créé pour avancer. Tu es créé pour gagner une bataille. Alors, tu dois pouvoir progresser. Mais dis-moi, dans la quête du transcendant, en l'instar du prophète, en l'instar de Pierre, qu'est-ce qui constitue pour toi, n'est-ce pas, des difficultés ou des obstacles que tu as dans ta vie? Qu'est-ce qui constitue vraiment ces obstacles? Eh bien, certains, eh bien, sont devenus des obstacles pour eux-mêmes. Oui, il y a des gens, des chrétiens, des chrétiennes, qui cherchent quelquefois pleurs à longueur de journée, croyant que les difficultés ou bien les obstacles, les problèmes qu'ils ont, ce sont eux-mêmes qui constituent des lots de problèmes pour eux-mêmes. Mais quand je reçois certains à l'audience, ben, la personne commence, n'est-ce pas, à déverser, à me prendre toute la journée, quelquefois je lui pose seulement deux questions. Deux questions. Mon frère, ma soeur, à conclusion, tu es à l'origine de tes problèmes. Toi qui étais au lycée, quand tu étais encore à l'université, que sais-je encore, tu as passé ta vie de n'importe quoi. On t'a proposé n'importe quoi et tu as accepté n'importe quoi. Aujourd'hui, tu pleures. Tu ne dois pas pleurer. Il y a la loi de l'équilibre. Ne viens pas me dire que c'est Dieu qui est là. Non, loin de là. Non. Neva. Alors, mon frère, ma soeur, mais Dieu étant ce qu'il est, ne baisse pas la garde. Certains, n'est-ce pas, ont leurs problèmes, n'est-ce pas, des problèmes dans leur vie, des difficultés dans leur vie, eh bien, ces difficultés sont créées par leurs semblables. Mon frère, ma soeur, ton mari peut constituer pour toi un blocage. Ton mari peut constituer pour toi des problèmes, des difficultés. Ou ailleurs, c'est la femme, vice-versa. Certains, c'est un membre de leur famille. Mais des fois, il y a certains qui connaissent des difficultés graves, non pas parce que ces personnes ont voulu, mais parce qu'il y a un membre de la famille qui a des divinités pas possibles, qui ne fait que créer des problèmes en longueur de journée aux gens.
Bien sûr. Bien sûr. L'Africain, ou quelquefois nous ne voulons pas voir l'autre évoluer. Et du coup, on essaie de retarder telle personne à travers des sortilèges, quelquefois des envoûtements, des trucs bizarres. Pourquoi ne dois-je pas me réjouir de l'évolution de l'autre? Mon frère, ma soeur, certains, eh bien, dans leur vie, c'est l'autre qui leur crée des problèmes. D'autres ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils sont entrés dans tel club. Voilà, tu commences à avoir des problèmes sur problème. Essaie de faire l'audit. Essaie de te revoir un peu dans le miroir de Dieu. C'est lorsque tu as mis pied dans tel club que tu commences à avoir des problèmes dans ton foyer, dans ta vie relationnelle, dans ceci. Le club peut t'engloutir. Le club te crée des problèmes aussi. Il y a aussi certains clubs qui vont te permettre à émerger. Oui, là je soutiens ces clubs. Mais un homme ou bien un club peut te créer des problèmes. Et aujourd'hui, peut-être tu veux sortir, mais tu ne peux plus. Ou tu as du mal. Ou tu connais des difficultés. Alors, mon frère, ma soeur, à toi de voir ce qui crée tes difficultés. Certains aujourd'hui ont des problèmes dans leur vie parce que ils se sont confiés à des Judas, croyant que c'est des amis, c'est des faux amis qui vont te créer des problèmes après. C'est plus tard que tu te rends compte, il m'a livré, elle m'a livré. J'avais dans mes trousses un Judas comme Jésus. Qu'est-ce qui constitue ton problème, ma soeur, toi qui es en France, qui pleure en ce moment, qui traverse des moments difficiles, qui a envie de retourner ou de revenir en Afrique, mais tu ne peux plus. Mais n'aie pas peur. Le Seigneur sait comment écrire droit sur ta ligne courbe. L'essentiel, c'est de reconnaître dans ta vie ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui constitue tes difficultés à l'instar de Pierre qui veut aller vers Jésus, à l'instar d'Élisée qui veut regarder le Seigneur, qui veut aller vers lui, mon frère, ma soeur. Certains aussi, dans leur quête du transcendant, dans leur démarche, n'est-ce pas, à retrouver le Seigneur, eh bien, étaient aussi confrontés à des difficultés. Certains, c'est le don que le Seigneur lui-même a mis en eux qui constitue des blocages, ou bien le talent. Certains ont reçu, chacun a son talent. Mais certains n'ont pas bien utilisé les talents qu'ils ont reçus. Et ils pensaient quelquefois qu'ils sont plus intelligents, plus sages que Dieu, ou quelquefois qu'ils sont, je ne sais pas, supérieurs à Dieu. Et voilà, du coup, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes dans leur vie. Qu'est-ce qui constitue, n'est-ce pas, des blocus dans ta vie, des opacités, des obstacles? Eh bien, mon frère, ma soeur, dis-moi ce que tu traverses comme difficulté. Mais tu dois savoir, quel que soit l'obstacle, comme Pierre et Élie, va jusqu'au bout. Tu dois aller. Tu es fait pour avancer. Eh bien, dans cette démarche, tu dois pouvoir tenir le flambeau de la foi. Oui, et garder toujours ton élan vers le Seigneur et être toujours attentif à lui. Tu dois être connecté. Voilà, c'est le mot qui circule maintenant. Être branché, connecté, câblé même à Jésus. Être à l'écoute de sa parole. Tu dois écouter Dieu et ton cœur. Vous l'avez constaté, mon frère, ma sœur, lorsque Pierre a commencé par avancer, eh bien, il avançait tout doucement, il allait. Tout se passait comme sur des roulettes. Il s'avançait, mais du moment où Pierre a commencé par écouter, c'est-à-dire il y avait, n'est-ce pas, du vent aussi qui soufflait, nous sommes en pleine mer ici, eh bien, tout de suite, Pierre, n'est-ce pas, au lieu d'avoir son intention et son attention accrochée à la personne du maître, a préféré regarder à gauche, a préféré écouter le vent. Voilà, c'est ça, c'est ce qui te détruit dans ce foyer.
lieu d'être connecté à la parole de Dieu, des fois tu préfères écouter ce qui se passe dehors. Et tu vas incessamment, tu vas commencer par sombrer. Il n'y a rien à faire. Tu penses que les gens de dehors t'aiment? Tu penses? Loin de là. Non! Toi qui es DG dans telle société, oui, quelquefois, au lieu d'être connecté sur la parole de Dieu, tu penses, n'est-ce pas, ou tu reçois quelques messages de l'autre côté ou de certaines personnes et tu préfères le croire. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir les mêmes problèmes que Pierre. Eh bien, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je rencontre certains et je vois que ces personnes ont des difficultés dans leur vie. Aujourd'hui comme hier, certains ont des ennuis de santé graves, d'autres ont des problèmes, n'est-ce pas, liés à leur vie professionnelle. Mais ces personnes, au lieu d'être, n'est-ce pas, d'être attentif à la parole de Dieu, au lieu de s'accrocher au message divin, ces personnes préfèrent aller voir des marabouts. Voilà les vents aussi qui soufflent. Voilà. Ils préfèrent aller écouter les divinités. Ils préfèrent aller consulter les devins. Et toi, chrétien, qui fais ça? Toi, chrétienne, qui fais ça? Parce que tu as des problèmes de clientèle. Parce que le travail est tangue. Parce que tu as certains problèmes. Et aujourd'hui, beaucoup paient les frais. Il n'y a rien à faire. Satan ne donne rien sans rien. Alors, eh bien, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que la première arme du diable, c'est la peur. C'est ce que nous voyons dans la vie de Pierre. Il a eu peur. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Lorsque tu traverses, ou bien lorsque tu es chrétien, machin, voilà, tu as reçu ton baptême. En fait, un baptême, c'est une déclaration de guerre, en fait, au diable. Tu te dis, ben, moi, maintenant, je suis enfant de Dieu. Hein. Toi, là, je ne veux plus de toi. Hein. Il dit, ah bon, tu veux me quitter? Il va te faire croire qu'en fait, ce que tu es en train de dire, là, eh bien, que c'est faux. Alors, vous allez voir certains, c'est juste après le mariage qu'ils commencent à avoir des difficultés pas possibles. Des difficultés pas possibles. Pour certains, c'est au moment où on a inauguré, n'est-ce pas, l'entreprise, et l'entreprise commence par évoluer. Oh, 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 que la clôture commence par voir des coups. Oui, mon frère, ma soeur. Quels que soient les événements, garde ta personne tranquille. Alors, avant que Satan, n'est-ce pas, ne commence pas à te détruire, il essaie de faire l'audit de ta personne. Il fera tout, n'est-ce pas, pour te mélanger. Et quand tu commences par avoir peur, il dit, ben tiens, voilà, ma proie facile. Et du coup, il peut commencer par faire son jeu, te détruire. Alors, mon frère, ma soeur, quand nous revenons dans la Bible, l'expression « n'ayez pas peur », j'aime l'expression là, hein? Jean-Paul lui a consacré un gros volume pour ça. De la première page de la Bible jusqu'à la dernière, l'expression « n'ayez pas peur » revient 365 facultés. Le Seigneur a un message pour toi. Au quotidien, il te dit « n'aie pas peur ». Tous les jours de l'année civile, le Seigneur te dit « n'aie pas peur ». Peu importe les candidats, peu importe les problèmes, tu as du prix à ses yeux. Voilà, nous dit la Bible. Voilà, nous pesons, nous constituons pour lui, n'est-ce pas, une pierre précieuse. Oui, eh bien, quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Alors, Satan sait, Satan connaît la réalité. Et il va te faire croire qu'en fait, ce Dieu-là que tu penses qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Regarde, tu lui as demandé quelque chose l'autre fois. Est-ce que tu l'as obtenu? Alors, écarte-toi de lui. Lorsque tu vas commencer par t'écarter de lui, surtout que les philosophes disent la nature aura du vide, voilà, tu t'écartes de lui, là tu te rapproches de Satan. Là, il l'a même mis sur toi, c'est là qu'il va te balloter dans son ventre.
Mon frère, ma soeur, ne baisse pas la garde. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu as du prix. Eh bien, je compare souvent l'amour que Dieu a pour nous. J'avais assisté une fois à une conférence. Le conférencier, n'est-ce pas, à un moment, a sorti un billet de 10 000 francs et il a dit, ben tiens, bon, qui veut l'avoir ce billet? Ah ben, tout le monde, n'est-ce pas? Voilà. Je veux l'avoir, moi. Bon. Après, il a baissé ses bras et de nouveau, il a pris encore le billet, il a froissé le billet. Il a dit, ben tiens, qui veut l'avoir ce billet? Amenez-moi, je veux l'avoir le billet. Maintenant, il a mis le billet par terre, il a piétiné le billet, il a sali le billet. En telle façon, tu dis, tiens, à peine tu auras voir l'écriture, n'est-ce pas, ce qui est écrit sur le billet. Et il a encore pris son billet, il a montré, qui veut l'avoir? Tout le monde s'est précipité, mon frère, ma soeur. C'est pour te dire, quel que soit ce que tu es, quel que soit tes péchés, Dieu t'aime. Oui, tu as du prix à ses yeux. D'ailleurs, la Bible nous dit, je connais mes brebis. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Il dit, je connais mes brebis et j'appelle chacune. Voilà. Quand j'écoute certaines paroles, n'est-ce pas, de la Bible, eh bien, ma foi, n'est-ce pas, est toujours restaurée et raffermie. Il connaît ses brebis. Maunga et Taola. Alors, mon frère, c'est du moment où tu comprends que le Seigneur t'aime. Le Seigneur a un projet sur ta vie. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Eh bien, car j'ai vaincu le monde, c'est à ce moment que tu comprendras que, ben tiens, ce n'est pas toi qui auras peur, c'est le diable qui aura peur de toi. Non, vu longtemps, il y a du quoi. Il y a des peu longtemps, tu as un peu du quoi. Capé la cœur à Sientia et de Nafou. Capé la cœur à Maoumantia et de Nafou. Quel aura tout mon siamon. Nénémi le po, le pétro, Fagbemima. Le prophète a Fagbemé. Et que au jour où tu as le recueillibé, Ao, il sent là, il y a Dogo Maoua, il y a Kassitila, il y a Yegua, et moi j'y me fanao. Né le ton en moi j'y la fanaya, le blanc. Je suis là. Oba ya vire va fo nene maye ne le todia amesa ma kulu toye amodo gogona ma o fada kaka ma teji piam ko nu nya volo amedia o amodo tonta be wonu ka le jole fa gbemo ma mawa enya ye ke woni me programo il a souvre le de kwesi e ata e ke wala go ko nyi bena di enu gbati kona o ame o wo doa dade e gbon gbale wa Emo de ocho e o da si oroku e na peto a e wo nu ikeye wo gba kudo egbe e wo le pojijo e o han aboka drika ro la yin ko na ne kemro lo no te ore abe profeta ma ba kle petro e na ro la zon no vinya un ko gbe nya zon lia me kanu ne le jo o vare ma biose nu ke le jo la gbo mo amoro wa e ke Ogbe de sonovo kwa ogun na se bene de sonovo kwa o problème on pas le blé de kio il a des tentations tete poro na nani kafe la de son et doit gagner kemi le soir demain et doit et kemi de sonovo nene mo nyine ma
Voilà Jabagba à Inko. Ayola tema profan. Et nous la tema zonfan. Et la doufa d'abouna sebena ho, le blé de kyo. Léa no homme la fa vinto, a fait affaire. Mais y'a pas mela, ou y'a son le toutou en koumonota, a mea me son ta pogo. A ba yé soit gorge sacruma. A ouéke, confrère la bé. Père Célestin, tu es là. Oui, oui, amelélo, aha. A ba okonou, nye 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 nye. Si bérané kemle le jonono. Emma, a ou mes pour le ho, a ou nye ke 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 ke. A vi mi befana garomo. A vi. Je ne sais pas si tu as une vie. Amoro ya le fola gbemina we gbe ya icha yin kristo ya pomo fuku mala o la ya ya fe to gbo la amoro to a edo chun to gbo o ma fode o me de ni do wa eye egbe o lenu amodo ya novio le moma dia kafla eyi ko la wo cho la wo bo wa novi gbena o amodo wa kafla novi ya esura te ni mo ko nu no fa bo do na gba amodo bo o Et d'autres n'a pas gardé mon amoron yonoué amoron tuaï amoroua un to un membre fou metto la blague par un tio la belle fille elle ou elle m'a dit encore et il m'a soissu lequel est que n'y a joie boula d'or dio la bonne à ce moment là amène le fou mais à main t'es camille et you nous qu'elle a gagné et ne venant à nous blouer qui a va du club et à l'histoire c'est qu'ils ont Ma houcha koué la te. Heureusement, ma oua. Ek ponam de na messia ma. Même Dieu attend même le sortier du village. Oui, qui a fait plus de 50 ans. Ah, oua messia me dit, ma ouya me l'on l'a yina yichak bo koué. Ek gomme yesu koué pou vouade. Yichale vou yo kore. Yichale ma. Et de la fouvi de gado mo. En modo wa. Kafla. Ame yike nabe. Ou le doua yak beya. Et il y a un peu de temps, 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 Nous nyama, je vais vous. Et nous blé gazon. Amoro, vous n'avez pas. Il y a nous ou maou. Alors, je sais ce ou maou. Vec pogameko, ya terminé là. A vieux fananto. Il y a bien Jean-Paul Sartre, Pora. Et les grands grands de ce monde. Comment il a fini? Amedoa, nos vieux. Et nous, j'en ai le droit de dire. Voilà, mes canines les jours. Nos vignes. Mes caviques les fao. Mes ca. Be. Et nous, le jour, le mignon, pas dit, du site, pas dit. Zon, yinko, yema. Et, n'y a que bonheur le mois d'hier. Nous, il a que tiwa. Et n'y a qu'on se fait kari. Et la nation. Et le mois d'hier, d'auto a fait to. Non, d'auto ma ou fouenya. Non, d'auto bibla. Non, d'auto ma ou fouenbe. Voilà. Et que, Petro, le zoti a dit le hier. Et le zoti a dit, Si besoin vient, vois, et il y a va ton foufoua, et vois. Si maman a joléma, Petro, il y a un peu de fait toi dire, mon souci, je le dis, et vois, ou d'assitoïme. Non vieux, et nous, mon journal, il y a dit, garde moi, amoureux, bia, et il y a un peu de fait toi, on était le courant, on y a un toya, vois, hein, on va se faire pas. Wa jolo moni abe ya ya fi ba be sonumbu ya be ponumbu a ore no vinya me ina nene mo matin iko bere koru wa problem de santé ga me ke do le lewa ba ah ene ne ya mi ve wale ke po mi ge po mi marabu ya gbo po me me na de echi wo ya kono bonu no nya fi ke chi atu fi ma nya tuna le ma echi akoye o kono bonu no li le fodu aji o no were ke Au bout, à ta ouva, y'a le que, au coup, à foco, ou le que,
Elle a dit protection parce que l'a dit DG. Allô, bon, ben, c'est un alors, le problème est que elle vous dit divinité à bon, allô, mais attendez, le choc d'Aroda, non, viens, voilà. Le jour de moi, dit vois, la dasi toïme, gueroïque dasi, nous m'en avec Béa, ou la vigi. Et il y en a un Benuka, Béo, il est bon pour le truc, il a sié. Mi dasie anu ikene wona numa na soa e la fire ne yo e gomere tout se perd. Moi j'ai pris sur moi d'évangéliser, voilà, et ma unya le droit fire pepe ne wale bal vitire ma ba o bon non o mitation le leke leke ya yele yele e ma e va ona sisi na ko la ba kwa mi azombe ah. Ah, ah, avec les générations, avec les générations, c'est trop tard. Et à ta novine, il va faire tout à bon. Elle a bien un petit peu de elle a bien un petit peu de promis. Mais pas vont. Vos dribanes, mais avec les vont et au tchon de tout bon. Et à ta, les Bibles, comme tu as sur moi, elle est ton ami, ben. Après tout le temps, mes gars vont, n'ayez pas peur, mes gars vont. Mais si vous avez besoin de quoi? Donc, si vous avez le beau fond là, on avez besoin le beau fond, je vous ai le beau. Et vous avez besoin de quoi? Il n'y a pas de vieux. Et à ta, mes bien, mais pas si, ne nous dis pas, mais nous, ne pleurons, tout le fia, et ma voix. Amen. Nous levons pour professer notre foi. Thank you.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à présent confier nos intentions les plus cachées, nos difficultés, nos problèmes liés à notre vie professionnelle, à notre vie familiale, à notre vie relationnelle, à tout ce que nous vivons, tout ce que nous ne comprenons pas. À la suite, à la marche vers Jésus, eh bien, il est là pour nous donner sa main à l'instar de Pierre. Seigneur, écoute-nous. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Prions pour l'Église universelle qui annonce le salut et pour ses dirigeants, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et pour tous ceux qui œuvrent afin que l'Évangile parvienne à toutes les nations. Père, nous te prions. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Invoquons sur les dirigeants politiques de ce monde, spécialement ceux de notre pays, afin qu'ils soient les artisans d'un Togo paisible et prospère. Prions aussi pour nos institutions judiciaires, qu'elles soient le gage d'une société équitable et juste. Père, nous te supplions. Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. Demandons au Seigneur l'esprit de confiance et de discernement pour que nous sachions reconnaître, comme le prophète Élie, son passage dans les péripéties de nos vies. Ensemble, prions le Seigneur. Les malades, les affamés, les laissés pour compte, pour ceux et celles qui célèbrent un événement heureux ou malheureux, pour ceux qui se sont recommandés à nos humbles prières et pour nos intentions particulières, Père, écoute-nous. Qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oh,
prions ensemble, mes frères et sœurs bien-aimés, on offre le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur, notre Dieu, vraiment, il est juste bon de te rendre grâce, Seigneur, en tout lieu, t'offrir notre acte de grâce toujours et partout, Père très saint, éternel, tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, l'univers nous montre les signes de ta présence et nous célébrons ta grandeur. Et nous qui avons reçu de toi les grâces, le peuple des baptisés te glorifie et les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer ta gloire en chantant d'une seule voix. Pas peur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'enlèvement dans sa passion, il prit le pain. Il en dit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Amen.
prenons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Tu nous touches enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis à celui qui nous demande de ne pas avoir peur, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos temps. La paix à chacun de nous. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne de la puissance et la gloire pour le Seigneur et le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'un de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous souhaitons un bon dimanche à nos internautes, à ceux qui nous suivent de près, de loin, toutes ces personnes sont confiées aussi à nos prières, ceux qui font un événement heureux, et ceux qui aussi ont quelques difficultés dans leur vie, eh bien, nous leur souhaitons, nous leur envoyons un bonjour de la part de Jésus. N'ayez pas peur, avancez, quels que soient les vents et marées, le Seigneur est toujours au rendez-vous, et que la paix de Jésus vous enrobe. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous avons la grâce.